guess I'm able to scare the monsters under your bed. Deep in the Voici la gang, j'espère que ça va bien pour matin. On est lundi matin et je m'en vais vers Québec aujourd'hui. Je m'en vais avec Samy puis Alex, deux de mes amis. Samy, vous la connaissez très bien. Alex, un petit peu moins, c'est la meilleure amie à Samy, qui est comme devenue aussi mon amie avec le temps. Fait qu'on s'en va à Québec, on fait une petite journée, là. C'est avec ces deux personnes-là que je voulais aller à Toronto. C'est pour ça qu'on écoutait un de mes derniers vlogs, on voulait aller à Toronto, les trois ensemble. Mais finalement, ça ne tentait pas de dépenser trop d'argent pour aller à Toronto puis tout, tu sais. Fait que finalement, on s'est dit qu'on allait se faire une petite journée à Québec. Fait qu'on passe de Toronto à Québec, qui est quand même une descente dans l'expérience, mais c'est pas grave. Fait que, c'est ça, là, ils viennent me chercher ce matin, ils sont en retard. Pour une fois, je suis d'avance et eux sont en retard. C'est du jamais vu. Fait que je vais vous montrer mon petit outfit of the day parce que je suis pas mal fier. Donc, je porte de un ma camisole noire de chez H&M. Ce petit cardigan-là en laine de chez H&M aussi, en crochet. Ma veste, comme ça, qui vient de chez Urban Outfit, pas Urban Outfit, Urban Planet. Genre vraiment pas cher que j'ai acheté l'année passée. J'ai mis aussi mes pantalons en lin que je me suis acheté chez H&M cette année, puis mes Converse, fait que un petit look noir et blanc. C'est plus rare que je porte du noir et blanc, mais j'aime ça. Si vous savez que j'aime ça porter plus du neutre que ces temps-ci, fait que comme ça, je trouve ça vraiment beau, honnêtement. Là, I love that so much. Fait que je vais aller avec moi dans ma petite journée à Québec. Je pense que ça va être bien le fun. On sait pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va aller à l'aquarium de Québec parce qu'on aime bien ça, ces affaires-là. On verra. Ils viennent juste d'arriver. J'y vais. Hello tout le monde! Restez sur la deuxième voie à partir de la droite. Bon, fait que on est présentement rendu presque à... On est à Québec, là, on vient de passer le pont. Je vous ai pas filmé, j'étais avec Samy. Utilisez la voie à droite. Ok, bon, que je recommence. On est avec Samy puis Alex. Hello! Hi people! Fait que là, on a un petit planning de la journée de fête. Donc, on va commencer par aller magasiner. Parce que pourquoi ne pas aller magasiner? On s'en va à la place Laurier slash place Sainte-Foy. Et après ça, on va aller à l'aquarium, comme je vous ai dit, qu'on y allait peut-être. On va y aller tantôt. Moi, je suis un grand fan de fond sous-marin. Moi, de mes plus grandes passions, là, vous le savez pas. Ben, passion, c'est pas ma passion, mais j'adore les fonds marins puis le gars, ça me fascine bien rien. Fait qu'on va aller toucher des raies pis tout, là. Toucher des raies. Ça, c'est un peu croche. Continuez tout droit. Fait que c'est ça, là, on est dans le temps de Québec. Une chance pour moi qui conduis jusqu'au bout de ma life. Hey, c'est stressant. Toi, tu serais-tu au bout de ta life? Oui, vraiment. Ouais. Déjà qu'il y a de la construction en plus. Ouais, c'est vraiment stressant. Oh my god, I can't. Ah oui, c'est là. Ok, c'est ça, passons ça. Bon, là, on a vraiment des petits problèmes techniques, ok? On a de la misère, on est à la place de la cité. Je suis déjà venu avec Clo. Ouais, je suis déjà venu avec Clo une fois ici. Non, plus qu'une fois, puis là, j'étais mêlé rond, mais. Ouais, parce c'est ça. Parce qu'il y a le pire sens de l'orientation, ouais. Du monde. Mais là, nous, on va aller à la place cinq fois, puis on était à la place de la cité, fait qu'il faut aller là. Bon, on vient d'aller chercher notre book, tout le monde. J'ai pris un poulet General Tao avec un petit couteau Imperial, avec un thé glacé. Toi, t'as pris quoi, Samy? Un Subway. Bon, la gang, mon but c'était de ne pas dépenser aujourd'hui parce que j'avais assez de stock. Mais c'est des souliers. Oh, okay. Mais je me suis trouvé un beau chandail au Gap en rabais. Je vais vous le montrer tantôt. Là, on va aller à l'aquarium dans près une heure. Fait faut qu'on essaie de se dépêcher. Puis là, on est des vrais touristes. On regarde sa carte. Fait que Zara, il est immense. Okay, on va là. Fait que moi, je dis qu'on va à Zara. Zara. Yeah. Bon, je suis au Zara. Puis j'ai vu ce t-shirt-là qui est quand même nice. La couleur, je l'aimais. Puis je vais l'essayer, voir peut-être pour être capable ou de quoi il est juste 13$. Mais comme j'ai peur qu'il fasse trop comme les manches filles. En tout cas, bon, update, j'ai essayé le small. Puis il fait vraiment bien, honnêtement. Je l'aime full. Je trouve que, genre, pour l'été, et ça paraît vraiment intense, là. Mais pour l'été, avec une paire de jeans, je pense que ça va être beau, même avec ça, là. Mes pantalons noirs, je trouve ça quand même beau. Puis pour être capable, si jamais j'ai rien, je pense que je pourrais mettre ça. La gang, on est dans un Lush. Je sais pas si t'en as dans le je suis dans un Lush. Mais je me sens comme un YouTube 2015 avec Alexandre Larouche. On est dans mode nostalgie, là, en ce moment, là. Regardez ça, les bombes de main. Avant, quand j'étais chez mes parents, je prenais toujours. C'est la sex bomb, je pense. Hein? Je t'ai dit ça fait 4 ans, j'allais dans ma chambre. Oh my god, moi j'ai déjà eu elle. Oh, elle. Elle, je la détestais, elle faisait des algues partout dans le bain, ça m'écœurait. Ouais. Avant, je prenais le temps des bains quand j'étais chez mes parents, puis là, j'en prends plus. Non, c'est vrai, j'ai dit ça pour me rendre intéressant. Moi, j'ai déjà eu lui. Oh, ouais. Ça me surprend pas. Bon, tout le monde, on vient de notre Lush, fait qu'on vient de vivre plein d'expériences. Blonde to Forever 21, on veut peut-être trouver un rentier pour escapade, parce qu'on va escapade les trois avec d'autres amis. Oh wow, c'est beau ça! Check le hey, c'est vraiment beau! J'adore ça, les cloches, c'est vraiment beau. Vraiment. C'est cher? Ouais. Ben oui. En plus, c'est full à la mode. 35. Ah, ça le fait. Ah, et puis il y a 30% de rabais, je pense. Wow. Ça vaut la peine, c'est beau, allez. Fait que si on essaie peut-être de se faire un rentier d'escapade. Puis moi, je pensais que Forever 21 c'était fermé, ça a fait faillite. Mais I guess que finalement, ça a pas fait faillite parce que.
on y est présentement. La gang, on est arrivé à l'aquarium. On est vraiment excité d'aller à l'aquarium de Québec. Je sais que c'est peut-être pas excitant pour beaucoup de gens. Mais nous, secrètement, on croit qu'on est des sirènes. Ouais, Alex, c'est une sirène. Mais moi, honnêtement, opinion populaire, je pense que les sirènes, ça existe pour vrai. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Ouais, nous, on croit aux sirènes. Aquarium! Yeah! Il m'a dit qu'il y avait deux pavillons. Non, mais il y a des pavillons là, des profondeurs. Non, non, profondeur, ça va être genre, non, on finit par ça. On va au pavillon des ours. Ouais, on va au pavillon des ours douces et salées. Et après ça, on va voir les ours polaires et les renards arctiques. Hey, ça va être incroyable. J'espère qu'ils sont bien traités, par exemple. Oui, moi, c'est ça, je trouve que c'est... En tout cas, on est bien excités d'aller voir le Japon. Les fucking poissons, genre. C'est parti, la visite. Le marais. Oh my god, s'il y a des serpents, je vais vraiment avoir peur. Ça, il y en a dans le lac à ma grand-mère. Oh my god, regardez ça, la gang, genre les poissons rouges, toutes les choses. Hey, on est tellement émerveillés des poissons d'eau douce. Est-ce qu'on va dans les eaux salées ou on va voir les renards? Ou on finit par les renards pis les phoques? Ouais, ouais, moi je dis ça. Sont dans les autres? Ok. Ouais, je pense que oui. Une réelle. Checkez ça là. C'est une réelle. C'est une réelle. Hey, regardez ses yeux. Oh my god. Hey. Mais c'est pas une vraie, ça, c'est on dirait qu'on poisson. On dirait qu'on est trois enfants. On a mis un poisson écrasé. Check ça, il pense proche. Il est écrasé. Lui, il s'appelle Sébastien, justement. On arrive dans les eaux salées du monde. Hey, j'ai tellement... Hey, on est tellement bébés, là. Immersion. Oh, la gang, regardez ça, la pieuvre. Hey, c'est un peu triste, comme on disait. Les pieuvres sont comme... Genre, ils ont pas beaucoup de place, pour grandir, en fait. Oh my god. Hey, ça me fascine. Ça me fait peur. Genre ça, je paniquerais, là. Hey, c'est crazy, hein. Regardez ça, les requins. C'est quand même gros. Ben non, c'est pas gros, mais genre, je crois ça, puis je capote, là. Ouais, ouais. Genre, regardez ça, la gang. Dans le tunnel de l'océan. Il y a moins de poissons que je pensais. Moi, je pensais voir des gros requins. Ouais. On est dans le deuxième pavillon, qui est genre le pavillon des plus des trucs qui a genre fond marin, genre. Ah oui, c'est ça, fond marin. Puis genre les méduses, en tout cas. Ben, on a déjà vu ça au zoo pis tout, mais comme on est quand même fasciné par les méduses. Hey, ça c'est complètement fou là. Genre c'est beau, mais comme j'en reviens pas. Que la nature est capable de ouais, faire, on est époustouflé. Que ça dans la mer. Ouais. Hey, je paniquerais. Hey. On vient de se trouver un parking, okay. La gang, on est dans le vieux Québec, okay, présentement. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a PayPass? Ben sur mon ciel là, parfait. Bon, fait qu'on est présentement dans le vieux Québec. On va aller se promener, on va prendre des petites photos, on va en profiter. Puis après ça, on va sûrement aller, ben on va aller manger dans un petit resto. Ben le maximum, ça va être 22, fait qu'au pire, ça va. Ouais, mais imagine, il charge deux fois 22 piastres. Non, non, le maximum, c'est 22. On est présentement devant le château Frontenac, notre belle amie château. Il vend sur un esthétique. Bon, je pense que je ne pourrais pas me sentir plus touriste en ce moment à marcher dans le petit Champlain. Je tenais à vous le mentionner. C'est vraiment beau, par exemple. Genre, moi, j'aime pas full souvent, j'aime juste quand je viens au clos, mais tu sais, sinon. Je me sens très touriste. Est-ce que vous sentez touriste? Oui. Combien sur 10? 6. Combien tu sens touriste sur 10? Ouais. 8.7. Ouais. 8.7. 10, il faudrait avoir un coton ouetté, tu sais. C'est ça, I love Québec. Ouais. Avec une queue de castor dans la gueule, genre. Hello tout le monde, on vient de se faire un petit resto. On est venu manger au pub Saint-Patrick, genre dans le Vieux-Québec. Je pense qu'il est quand même connu là, parce qu'il est comme central. Je vais vous montrer, on est comme en bas, c'est vraiment beau. Je suis encore avec les deux mêmes personnes. Regardez ça comment c'est beau. En tout cas, ça, moi je guesse. Ah, il y a autre chose. J'en viens, on dirait. Ah ouais? Hey, j'ai dans ça, puis le tartare, mais le tartare est 30. Toi, je vais aller pour les tacos. Moi, tout, je pense. Deux ou trois. Je sais pas quel, avec quoi. Ça, là, ça devait être à l'extérieur avant. De même. En tout cas, moi, là, ça me passe une barrière tout seul. Moi, je suis plus poulet, je pense. Moi, c'est ça, je prends les tacos au poulet. Alex, elle a peur de pogner un sale bonnet à chaque fois qu'elle mange du poulet.
ou le burger poulet. Donc, je continue mon tour du resto. La cuisine là, puis moi, je trouve ça si beau avec la petite musique jazz. Bon, la gang, on a reçu notre repas. Moi, j'ai pris évidemment un burger comme à toutes les fois. Le burger au poulet. Tout à fait quoi, Alex? Les tacos. Au poulet, au poulet, au poulet. Ils ont l'air vraiment bon. Samy, toujours. Le tartare. Bon, on vient de finir d'aller souper, puis là, on est dans le parquet. Puis on essaie de trouver notre fuck. À moins qu'il y ait comme deux. Non, mais là, c'est le. Ok, yes. On essaie de trouver notre char. On trouvait pas le char. Ça fait genre 4 étages qu'on fait. Ouais. T'étais genre sur le bord du poteau, hein, vite là. Yes! On a trouvé le char. C'est ça, on a fini notre petite escapade à Québec. Vous avez trouvé ça comment? C'était bien. C'était cool, hein? C'est so nice. Ouais. Fait que là, on retourne à Sherbrooke, qui est quelle heure, là? 6h30, genre? Il est 7h. Ah, 7h. On va arriver à 9h, à peu près, à Sherbrooke. Fait que voilà, c'était la fin de la petite escapade. On se reparle, rendu à la partie. Hello, je reviens de mon petite escapade à Québec. C'était vraiment le fun, honnêtement. Pour être les filles, tout le temps le fun. Hein. Vous savez, comme je vous ai dit, je connais plus Samy un peu. Puis vous aussi, mais Alex aussi, là, c'est comme une de mes très bonnes amies maintenant. Puis on passe toujours de très beaux moments ensemble. Là. Ça a été une journée vraiment simple. On est allé, ben, comme vous avez vu, là, on est allé magasiner un petit peu. Je suis le seul à avoir dépensé. Je voulais pas dépenser, mais est-ce que j'ai dépensé? Mais vraiment des beaux achats. Puis ça m'a pas coûté tant cher là, pour tout ce que. Ben, j'ai comme acheté 3-4 affaires. Ça m'a coûté même pas 100$. Fait que quand même rentable. Je vais vous montrer ça live. Puis après ça, l'aquarium. Hey, petit talk sur l'aquarium. Genre, c'était vraiment cool. Mais on dirait que je me rends compte que c'est tellement bad là, genre mettons les animaux sont tellement, je dirais pas qu'ils sont pas bien entretenus pis pas bien genre nourris pis tout, parce que on dirait qu'il y a des poissons c'est tel que tel parce que ça fait juste baigner dans l'eau pis tout, ils ont pas beaucoup de place, mais on dirait dans ma tête un poisson ça demande moins de genre je sais pas. On dirait que c'est un poisson, ça demande moins genre d'espace pis ci pis ça. Mais tu sais, genre les phoques pis les chouettes. Oh my god, il y avait comme des hiboux chouettes qui étaient genre tout seuls dans leur cage. En tout cas, ça me fendait le cœur. J'étais comme yo, ils sont toutes seules. Pis clairement qu'ils doivent être genre leur place dans une forêt, c'est pas dans une cage. Pis pareil pour les ours polaires, il y avait comme deux ours polaires qui étaient dans un enclos. Il y avait quand même la place. Pis tout, t'avais un bain pour qu'ils puissent se baigner. Mais on dirait que je sais jamais à quel point c'est legit. T'sais, c'est comme le zoo. T'sais, je sais qu'ils font leur mieux, mais tu sais, c'est quand même des attractions touristiques. Pis en tout cas, on dirait que je me sens un peu mal d'avoir comme consommé ce genre d'activité là, mais je sais que je suis vraiment pas le seul pis tout là, mais pis faut relativiser, mais je sais pas, on dirait que on était comme les trois un peu comme ah c'est genre c'est bande, genre les poissons ok c'est correct mettons, mais si vous avez vu genre la pieuvre, elle avait pas tant de place là, la pieuvre là, la pauvre petite pieuvre là, en tout cas. Bref, mais sinon c'était vraiment cool. Il y avait des raies qu'on a touchées aussi. Encore une fois, je suis comme est-ce qu'elles sont bien. Non, tu sont-tu bien pas entretenues, mais bien vous comprenez là-bas pis tout, en tout cas. Fait que t'sais, les petits poissons dans des petits ça. Tandis qu'ils pourraient être genre dans l'océan. Mais tu sais, je sais pas si c'est des animaux, mettons, qui étaient comme en voie pas en voie d'extinction, mais sur le bord de mettons mourir ou comme des réfugiés animaux, je sais pas si on peut dire ça. Mais qui sont comme là parce qu'ils étaient sur le bord de mourir pis ils ont comme mis là, tu sais. Au moins ce qui est bien, c'est que mais je sais que les pour là en ce moment sont comme en du gros talk là-dessus, ils sont en voie de disparition pis tu sais, je sais que là-bas au moins ils sont nourris pis tout, fait que peut-être c'est bien, en tout cas on dirait que je suis comme mitigé par rapport à ça, mais sinon overall c'est vraiment une belle activité. Je pensais qu'elle allait avoir plus de poissons pis plus de, tu sais comme genre le cylindre mettons que tu passes pis comme le lot de auditoire, on dirait en tête ça allait être plus gros que ça, mais finalement c'était pas tant gros en tout cas. Bref, si on est allé marcher dans le Vieux-Québec, on dirait que c'est rare que je vais à Québec sans aller voir Clo, mais là je vois Clo en fait c'est merde, fait que c'est ça, elle vient me voir ici à Sherbrooke. Fait que, genre, je l'avais comme pas texté, pis tout, pis elle m'a texté à lui voir que, genre, t'es à Québec, pis tu m'as pas texté. Pis là, quand je disais, ah, je suis allé à l'aquarium avec deux de mes amis sur un coup de tête, elle dit, êtes-vous correct, mettons? Parce que sûrement qu'elle, vu qu'elle vient de Québec, elle aurait probablement jamais fait le 3 heures de route pour aller voir des petits poissons. Fait que, bref, en tout cas. Sur ça, je vais vous montrer mes achats que je me suis fait. En premier, je suis allé au Old Navy, pis je me suis, pas Old Navy, mais au Gap. Je vais jamais là parce que je trouve ça quand même cher, honnêtement, là. Je me suis trouvé un polo à manches longues, qui était en solde à 25$, que je trouve vraiment beau, là. Regardez-moi, c'est les couleurs comme jaune et mauve, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça fait un peu punk, mais je sais pas, pour l'automne puis pour l'hiver, ça va être vraiment beau. À la base, il était 100$, j'aurais jamais payé ça 100$, mais 25$, je le trouvais vraiment cute. En fait, j'allais au Zara, Zara, j'adore ça, vous le savez, mais je trouve ça quand même dispendieux. Mais, ah oui, ben je voulais montrer ça, le chandail que j'ai essayé, qui est comme quand même coloré. Cette année-ci, je m'habille plus neutre, comme je vous ai dit, mais je sais pas, le chandail que j'ai acheté est tout coloré aujourd'hui, parce que j'aime quand même ça, mais c'est un t-shirt, je l'ai pris en section pour femmes, puis j'avais pas que la coupe soit trop
trop féminine, mais finalement vraiment parfait. Et ensuite, j'étais allée au Forever 21. Je me suis pris deux chemises. La première est comme ça. Elle est comme blanche. Ah, on dirait que c'est lettre en caméra. Mais avec comme une. Pas une ville, mais ouais, une espèce de ville dans le bas. Fait que ça, détaché, je trouve que ça fait vraiment summer vibe là. Fait que ça, puis l'autre, je vais probablement la mettre pour escapade aussi. J'aime vraiment les couleurs. Elle est comme orange et rose. Je trouve que ça, c'est comme parfait et super belle. Elle est comme plus en coton, puis elle est en viscose. J'aime mieux le tissu viscose parce que ça se froisse pas. Tandis que coton, ça se froisse plus, puis quand t'as chaud, ça paraît plus, tu sais. En tout cas, je l'aime vraiment, je la trouve super belle. Fait que c'est mes petits achats, ça m'a coûté moins de 100$ pour tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Là, moi, je vais ranger le linge là, de brasser de linge, je vais aller me laver, je vais aller me coucher, puis on va se retrouver demain pour la suite du vlog. Hello tout le monde, bon matin. On est mardi matin, il est à peu près 10h30. Je suis installé à mon bureau, je vais aller faire mon petit café glacé. Je voulais pas montrer parce que je pense que je voulais montrer hier, puis là, c'est bon. Des fois, quand j'écoute mes vlogs, je suis assez que je le montre beaucoup de mon café glacé. En tout cas, fait ça, on est mardi matin, et je me suis levé par près de 9h, mais j'ai glandé dans mon lit pendant, honnêtement, je sais pas combien de temps, mais vraiment longtemps, genre une heure. Fait que c'est ça, je me sens encore bien en mou aujourd'hui. Mon uniforme de travail quand je suis à la maison, juste de chilling, c'est clairement un crew neck puis des jogging. Fait que là, j'ai mis le Muse que j'aime vraiment. Planning d'aujourd'hui, ça va être de travailler un petit peu. Je vous avouerai que j'ai hâte de commencer mon stage. C'est le fun, un mois de congé puis tout, mais je vous dirais que je commence à trouver ça un petit peu long. J'aime ça quand, moi, vous savez, j'aime ça être super occupé puis avoir mille et un projets. Puis là, ben, je trouve ça un peu long. Au moins, j'ai l'agence puis j'ai aussi le montage qui me permet d'avoir genre du travail puis de un pour pouvoir comme pay my bills parce que j'ai des dépenses à faire puis c'est ça, mais aussi pour me tenir occupé. Fait que c'est pour l'agence, je travaille un petit peu plus. Fait que surtout, c'est beaucoup des mois occupés, je trouve, pour l'agence. Là. Surtout Antoine, là. Antoine Bécoté, comme vous, que vous suivez peut-être sûrement sur TikTok. C'est moi, son agent. Puis ça roule. Fait que on se plaint pas. J'ai dit Bécoté, mais c'est Antoine Bécoté. Voilà. Je viens de finir de dîner, puis là, je vais me faire un smoothie. Je me fais très rarement des smoothies dans la vie. Dehors, on dirait que je suis lâche, puis genre, ça me tente pas de nettoyer le blender. Je sais que c'est un peu vraiment câble, c'est ça. Mais on dirait que ça me tente, fait que je vais me faire un smoothie. Et évidemment, si je fais quelque chose de nouveau, j'avais le documenté sur TikTok. Fait que j'ai mis mon petit setup là, et mon trépied, puis mon sel. Puis là, j'ai amené genre le malaxeur qui est vraiment dégueu, honnêtement, là. Il est genre vraiment crusty, mais bon. Fait qu'on va se faire un smoothie, on va prendre des bananes, comme ça, évidemment des fruits congelés, puis du lait, genre d'amande, qui est dans un smoothie, ça me dérange moins qu'il y ait du lait d'amande. Bleuet, mélange de fruits, comme ça, il y a genre mangue, fraise, pêche, je crois. Je crois que je vais même mettre des épinards qui sont d'être bien santé. Un petit peu de yogourt grec, et du lait d'amande. Fait que voilà, je pense qu'on va y aller avec ça. On va mettre ça dans le mixeur, on va faire un TikTok, let's go. Je vais vous mettre là, en tant que behind the scene, puis c'est ça. Voici la gang, on va se faire un smoothie aujourd'hui ensemble parce que j'en fais jamais, fait que je me suis dit, ben on va le mettre sur TikTok, t'inquiète. Les ingrédients, on va se faire un smoothie. Vous l'excuserez, mon blender fucking sale. Salut. Je vais faire un smoothie. Waouh, un smoothie fou, genre santé. Fait que faut évidemment que je le filme. Tu filmes le métier quand je suis rentrée? Ouais. Allô, gang! Tu es impressionnée? Hein? Ben, je suis étonnée, agréablement surprise. C'est Kev qui m'enseigne qu'il veut retourner au gym. Ben, retourner. Puis y aller. Ouais, j'ai dit ça l'autre fois, j'aimerais aller au gym. Ouais, hier soir. Là, tu vas même mettre des épinards. Ah, ça, j'ai dit, je mets des épinards pour être santé. Wow! Alors, vraiment impressionnée, Kev. Fitness boy. Félicitations. Merci. Qui je rends pas de retour sur le fitness grind, ben en fait j'ai jamais vraiment été, je me peux pas faire un crise de smoothie, ça reste pogné dans le fond. Bon, je pense pas qu'on a le meilleur blender non plus là, mais bon. Oh my god, il est tellement liquide là, help! Bon, j'ai finalement réussi à avoir une texture pas pire. Allez voir ça, ça va bien. Bon, je vais finir mon smoothie, il a l'air bon, mais il a l'air d'avoir beaucoup de graines. On dirait que ça sonne croche d'une main, mais... On va faire mon taste test avec TikTok, puis vous allez le voir aussi en live. C'est vrai que mes TikTok, la gang, là, c'est quand même long pis tough, je trouve. Petit sel, petit smoothie. Hey, la gang, si c'est pas un fitness boy que je suis, je ne sais pas je suis quoi. Mmh. Sur mon programme de fitness boy, je vous laisse et je vous souhaite une excellente journée.
Bon, on a fini ça, la gang. Yes, ah, non, pour vrai, il est vraiment bon. Il goûte plus la banane, puis pas tant les autres fruits. Mais on dirait que la banane, à chaque fois qu'il y en a un dans un côté, c'est ce que ça goûte le plus, genre. Mais délicieux. Hello, bon, hey, j'ai oublié de vlogger quand mon amie est venue, là. Elle vient juste de partir, ça fait à peu près, je dirais peut-être 15 minutes. Ça, là, moi, je vais me laver, puis je vais faire ma petite routine du soir. Mais je pense que moi, la gang, je vais venir vous laisser sur ces beaux mots-là. J'ai commencé le montage tantôt, puis je pense que la longueur va être good. Et on se revoit super bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do.